Alors, j'ai imprimé un. Bah ouais, c'est un bon. Oui, j'avais eu un entretien. Ah, c'est possible. Mais vous pouvez. Maintenant, je. Non, c'est différent. Pour nous, c'était toujours le touquet. Et ma mère avait le grand luxe de pouvoir être dans un hôtel la première soir, parce qu'on a fait le voyage en voiture, et après ça, c'était les campings. Et les campings, ça leur convenait, mais pas moi. Oui, mais d'un autre côté, c'était la façon de découvrir la France à l'époque, qu'avaient les Français, la plupart des Français également. J'avais qu'une chose qui m'intéressait, c'était de draguer. Le touquet, c'était peut-être pas. Vous ne pouvez pas savoir. Déjà, j'avais une vie complexe dans le fait qu'ils m'ont mis dans une école française à l'âge de 4 ans. La musique, pour vous, ça a commencé à quel âge, là? Bon, j'ai appris la guitare pour draguer. mon meilleur ami Ben, à l'époque, il connaissait 3 accords. Et il n'arrive pas à draguer, alors moi j'ai appris 4 accords en espérant que ça allait plus que lui. Et finalement j'ai rien dragué, mais j'ai appris 4 accords. Et de ce base-là, j'ai commencé à écrire des chansons, même à l'âge de 12 ans. Je cachais ce que je faisais. Je ne faisais pas ça devant mes parents, je faisais tout pour le cacher. Ma mère était actrice, mon père était metteur en scène des films documentaires. Je sentais qu'il fallait faire quelque chose sans leur opinion et sans leur influence. Et il y avait une soirée dans le club que je connaissais, qui était mon club préféré, qui était très, très à la mode, Blazes. J'ai carrément rentré l'entrée avec Brigitte Bardot d'un côté et Ursula Andress de l'autre. Wow. Ce qui est beau, c'est que j'étais complètement innocent, complètement naïf. Moi, tout ce que je pensais pas pour une seconde j'aurais la chance de rentrer avec ni l'un ni l'autre. C'était pas, même pas dans ma tête. Tout ce que je pensais, c'est que, putain, là, je vais créer quand même une sorte de pas légende, mais enfin quand même. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui m'ont vu ce soir-là, qui m'ont dit 35 ans plus tard. Le manager de Pink Floyd, et tout ça, il est ce jour quand il a rendu, je ne sais pas comment tu as réussi à faire. Et c'était bon, c'était bon. D'accord. Et bien, vous avez parlé. Ou alors, il y a pas de. Oh oui, mais arrête. Vous deux.